Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde d'AB. Nous avons la certitude que nos produits vous permettront de tirer le meilleur parti de votre maison. Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment installer DAB Live et la connecter à EasyBox Mini. Tout d'abord, téléchargez l'application. Vous pouvez le faire en scannant le QR code sur la pompe ou en recherchant DAB Live sur l'App Store et Google Play. La première fois que vous ouvrez l'application, il vous est demandé de créer un compte. Il vous sert à vous connecter à EasyBox Mini. Saisissez votre adresse email et inventez un mot de passe. Sélectionnez « Utilisateur final ». Oui, c'est vous. Pardonnez cette formalité. Ensuite, complétez le profil. L'astérix indique les informations dont nous avons absolument besoin. Remplissez les champs avec l'esprit tranquille. Nous conservons vos données en sécurité et nous n'aimons pas non plus les spams. Dès que vous avez terminé, le système vous envoie un email. Cliquez sur le lien pour confirmer votre inscription. C'est fait, retournez maintenant à l'application et connectez-vous avec votre email et votre mot de passe. Nous sommes prêts à configurer votre maison. Plus DAB Live la connaît, plus elle saura se rendre utile. Indiquez à l'application où vous avez installé EasyBox Mini, dans votre maison habituelle, dans une maison de vacances, au bureau ou si vous l'utilisez pour le jardin. Combien de personnes fréquentent cet endroit? Il est grand ou petit? Comptez le nombre de salles de bain. À partir de 3, on le considère grand. Ces informations aident DAB Live à créer les recommandations d'économie les plus appropriées pour vous. Passons à l'action. Il est temps d'associer DAB Live et EasyBox Mini. Pour cela, choisissez l'option « Ajouter un produit ». Activez la localisation, le Bluetooth et vérifiez que le smartphone peut accéder à Internet. Approchez-vous de la pompe et vérifiez qu'elle est en marche. Si l'écran est éteint, appuyez sur la touche 7. Appuyez sur Pairing pendant 5 secondes jusqu'à ce que cette icône apparaisse. N'oubliez pas, à partir de maintenant, le smartphone et EasyBox Mini doivent être proches l'un de l'autre. Ne vous éloignez pas. Utilisez l'application pour lancer la recherche du produit. Une fois l'EasyBox Mini trouvé, confirmez l'appairage. Choisissez maintenant le réseau Wi-Fi auquel vous souhaitez vous connecter et saisissez le mot de passe. Donnez un nom à l'installation. Vous pouvez l'appeler simplement Mini ou laisser libre cours à votre imagination. Enfin, indiquez le pays et l'adresse où vous vous trouvez. Vous avez terminé. Vous pouvez maintenant accéder à toutes les fonctionnalités d'EasyBox Mini. Vous verrez que ce n'est pas une simple pompe à pression, mais un véritable génie pour votre maison.